Salut tout le monde, c'est Astrid du 59, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Call of Duty MW3. Excusez-moi, c'est le soir, je suis un peu fatigué. En effet, je fais cette vidéo donc pour faire la petite vidéo de présentation. Parce que YouTube, avec son nouveau format, nous propose de faire une vidéo de présentation donc pour les non-abonnés. Étant donné que je ne l'avais pas encore faite, cette petite vidéo de présentation, je vais la faire vite fait dans cette vidéo. Donc je vais présenter les membres de ma team, de la team SPAD, donc moi-même. Qu'est-ce que je compte faire sur le YouTube à court terme et au long terme? Et depuis quand je fais le YouTube? C'est quoi mes passions, etc., etc. Enfin bref, ma vie, la vie de des gens de ma team et votre vie aussi, parce que je pense qu'on veut. Moi, ce que je voudrais faire, c'est écrire une, pas une page, mais écrire une, faire une, créer une famille, donc une petite communauté entre vous et moi-même et les membres de ma team. Voilà, voilà. Donc avant tout, j'ai présenté le gameplay. C'est un gameplay qui a été réalisé par Benj14. C'est le petit chéri de ma team. C'est-à-dire que Ben c'est mon petit bébé, dès que je joue avec moi, ou dès que lui il joue, je joue avec lui, c'est comme vous voulez. Enfin bref, j'en profite que je suis en vidéo pour lui faire un gros bisou et lui dire que son gameplay est plutôt pas mal, qu'il fait pas que de la merde. Donc voilà Ben, je te kiffe, je t'embrasse. Voilà voilà, alors on va commencer vite fait la vidéo, donc par depuis combien de temps je fais du YouTube. Et qu'est-ce que j'ai déjà fait sur YouTube. Donc je fais du YouTube depuis un an, j'ai commencé YouTube alors que j'avais rien pour filmer. Donc c'est vrai que ces un an n'ont pas été très bons, parce que comme j'avais rien pour filmer, ça faisait pas beaucoup de vidéos. Ça faisait une vidéo tous les 3 mois ou une vidéo même pas tous les 4-5 mois. Donc enfin bref, au final c'était un peu de la merde. Moi-même je l'admets. Même si malgré tout on aura fait quelques bonnes vidéos je pense. Mais là ça fait donc depuis 3 jours que je reprends YouTube, que j'ai des beaux projets. Notamment au court et au long terme. Donc on va tout de suite passer à mes projets plus tard sur le YouTube. Donc mes projets, bah ça va être du continuer le Call of, parce que le Call of c'est quand même mon truc préféré. Je pense qu'on va faire des let's play sur d'autres jeux, notamment pas GTA 5 parce que trop de gens le font. Je pense qu'on va essayer de jouer à Brink avec Ben, parce que c'est un jeu que je trouve plutôt intéressant. Brink, pourquoi pas du Far Cry qui est un très très bon joueur, reprendre un peu de Skyrim parce qu'on en voit plus du tout sur YouTube et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui y jouent, du FIFA 14, enfin bref, pas mal de jeux. Et au long terme, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je vais pas dire que j'aimerais devenir connu moi avec ma team, non, c'est pas vraiment le but recherché, parce que si c'était le but recherché, il aurait fallu que je m'y lance bien avant. Je suis conscient que maintenant devenir célèbre c'est limite impossible. Donc moi ce que je fais et pourquoi je fais du YouTube, c'est déjà ça me défoule, ça me fait du bien. Je me dis que je peux parler à vous comme je parle à ma famille, c'est-à-dire que vous êtes là pour m'écouter, moi ça me fait plaisir. Et moi je suis là pour vous écouter aussi d'ailleurs. Si vous avez des choses à me dire, je les reçois 5 sur 5, vous pouvez m'envoyer des messages. Parce que c'est le but de ma chaîne YouTube, c'est de créer une communauté, une famille qui soit là pour qu'on s'écoute les uns les autres, que vous écoutiez ma vie et que moi j'écoute la vôtre. Voilà voilà. Je vais présenter donc vite fait les membres de ma team. Je pense que je vais oublier personne. Enfin, je vais essayer d'oublier personne. Donc, je vais commencer par Orano, qui était le chef, le créateur de la team à la base, qui m'a passé le flambeau il y a un an quasiment maintenant, parce que il devait travailler. Donc voilà, Orano, je te fais un gros bisou. J'espère que dans ta vie tout va bien, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé quand même nous deux. Ça doit faire aller peut-être 2-3 mois. Donc j'espère que tu vas bien encore. Tout va bien. Voilà, qui d'autre dans la team? Il y a Benj14, donc mon petit chéri, la petite mascotte, c'est un petit bourré de talent, ce Benjben. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne, voir un petit peu ce qu'il fait de temps en temps. Benj14, moi-même qui suis donc youtubeur, il y a Loki, Alex, qui est un éditeur et qui travaille pour nous. Il y a PrimeFX, pareil, un très 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 bon éditeur qui est en train de réaliser la Frag Movie qui va bientôt sortir. Dans les joueurs de play, il y a tous les spads qui ont recréé des comptes. Je vais citer Spad Rusher, Spad Lobby, Spad Vodka, Spad Red Bull, Spad Ghost, Spad Bledar, Spad Tom, Spad Dynatic. Je pense que j'ai tout cité les spads. Il y a à côté de ça, il y a Suleiman, donc Hero Desert Eagle. Il y a Turkish Venom, il y a le Messi 27, il y a Spad Gamer Tag, Gamer Tag qui est d'ailleurs plus sur le PC maintenant et qui vient bientôt faire des vidéos sur le PC peut-être pour vous sur la chaîne. Il y a The Killer 91, il y a Deminator, je pense que j'ai dit tout le monde, voilà. Donc on est une espèce de famille, ça fait un an, deux ans, trois ans pour les plus vieux.
qu'on joue tous ensemble à H24. Et c'est toujours un plaisir de jouer avec eux. Et je pense que ça se voit qu'on prend du plaisir rien que dans nos vidéos. Au niveau des gameplays qu'on propose. Voilà, voilà. On va arriver déjà sur la fin de ce gameplay. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que je vous aurai dit juste en quoi consiste ma chaîne. Donc j'espère que vous prenez du plaisir à regarder les vidéos. C'est pour ça qu'on en fait. Et pour créer une espèce de famille. Voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous embrasse tous, je vous fais tous un bisou sur la fesse gauche et un bisou sur la fesse droite, peut-être même un bisou sur la couille gauche si vous voulez. Enfin bref, voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, ciao, ciao, bisous à tous.